Bien sûr, je veux jouer au jeu. Bah, attends. Let's go se chier dessus! Je vais faire une nouvelle histoire histoire Oui, de voilà. complètement. Complètement. Hop. Donc du coup, je démarre avec Tania, comme ça tu démarres avec Anthony Oh, mais et peu importe, hein, tu sais, moi je suis un homme moderne, hein. bon, t'inquiète, t'inquiète, on pourra toujours pourra enfin on aura plusieurs personnages après donc Grave, c'est chouette, bah ouais, carrément, bro. Par contre, il y a un truc qui ne fonctionne pas, je retourne pleurer dans mon lit et dormir, d'accord? Ah, bon, bah moi je ferai du. Ça tombe bien, j'ai acheté un nouveau jeu de chill pour le matin. En vrai, ça va. Oui, normalement Faut que ça tu se te mettes passe, hein. prêt si jamais. Ah merde, pardon. Eh. Normalement c'est bon. Ah oui, prêt, prêt, c'est bon. Je suis prêt. Ok. Allez, c'est parti. Baisser un peu le son, moi, par contre, parce que ça me gueule dans les oreilles, là. Avec une manette, évidemment. Je vais pas jouer avec mes pieds, mec. Pas sûr que ce soit un bon contrôleur, surtout dans mon état. Let's go. Bah ouais, hein. Bonne chance à tous. Que le sort vous soit favorable. Ouais, un truc comme ça, ouais. Quand on arrive dans la baraque, je change ma catégorie. Quand on arrive dans la maison, je change ma catégorie de stream. Ah oui. C'est sur quoi là? Lol. Merci de vous être arrêté. De rien. Un souci? Il y a un problème plus loin. Un grave accident. On a dû fermer la route. Ça va. Tout le trafic est dévié vers Little Hope. Est-ce que ça va? Vous avez l'air un peu perdu. Ouais, ça va. Il faut juste que je conduise ces gens là où ils vont. Mais un petit détour ne devrait pas trop les déranger. Prenez la route est. Vous traversez Little Hope. Ça ne sera pas beaucoup plus long. Le fameux raccourci, bien sûr. Arrêtez de frotter ce truc, il va se désintégrer. Cette traduction à moitié. Oui. Vous êtes sobre depuis combien de temps? Un petit peu moins de 3 mois. Imagine, le gars va chez un sexologue parce qu'il est trop accro. Arrêtez de frotter ce truc, il va se désintégrer. Je sais que c'est ridicule, mais ça m'aide énormément de m'accrocher à ce jeu. Leader up!
Hey, c'est pas par là? Ça va, c'est juste un crochet. Non, ça ne va pas. Du calme, tout ira bien. Pitié, John, vous pouvez arrêter de me faire la leçon. Vous pouvez faire moins de bruit. Oh, beaucoup trop fort. Ah là là, les problèmes. Non, Val. Ah, je... Ouais, j'ai pas. Ah. Arrête, James. Tu sais très bien que ça m'énerve quand tu me prends pas au sérieux. Je te prends au sérieux, chérie. C'est juste que j'ai passé une sale journée. Ça t'étonne qu'ils se disputent encore? Pas moi. Tu as bu, comme d'habitude. J'ai juste regardé le match avec les collègues, c'est tout. Mais bien sûr, je vais te croire. Il paraît que certains pourraient perdre leur job à l'usine. Ça fait des années que tu dis ça. Je m'inquiète plutôt pour Megan. Qu'est-ce qu'elle a, Megan? Je vois pas où est le problème. Après 10 bières, on ne voit plus les problèmes. Le révérend Carson l'a encore gardée après la prière. C'est la quatrième fois. Elle va mal, c'est sérieux, James. Tu t'inquiètes pour rien avec cette gosse. J'ai pas le temps de m'occuper de ça. Comme d'habitude. Tu ne t'occupes jamais de rien. Quand est-ce que tu auras le temps? Tu te fais une montagne de 3 fois rien. T'es en train de te rendre malade sans raison. 3 fois rien? M'occuper seule de tous les problèmes de la famille, la j'appelle famille. Pas ça 3 fois rien, moi. Un coup de main ferait pas de peut-être mal. Peut-être que si on avait eu des enfants à nous, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un coup bas. Tu vois pas à quel point c'est t'es dur pour moi. T'es pas la seule à être sous pression. La situation à l'usine est sérieuse, Anne. Très sérieuse. Pas maintenant. Pas ce soir. C'est bon. La bonne ambiance. Oui, je suis en train de rouler une pelle à Tania, un... traîne. Une voiture. Comme souvent en ce moment. Allô, quoi? Parce que je jouais Tania là. Ah oui, oui. Elle a toujours été en retard. Non, c'est pas vrai. Seulement depuis qu'elle sort avec lui. Ce type a rien à faire avec elle. Toutes ces conneries de New Age. On dirait une espèce de secte. Y'a Daron qui me surveille à la fenêtre. Il est venu l'autre jour. On a discuté 5 minutes. Il est cool. Ça, c'est un classique. Un disque légendaire. Hé, hey, arrête un peu de le tripoter. Elle a vraiment une tête qui fait peur, la petite, hein. Ouais. Hé, hey, Bigfoot, tu vas bousiller mon vinyle, fais gaffe. Allez, pousse-toi, arrête de te comporter comme un abruti et fous-lui la paix. Ok, le bon samaritain. Mais je comprends pas pourquoi tu prends sa défense. Pas si je t'ouvre. Allez, vas-y, rentre, il fait froid dehors. Si personne répare cette porte, la prochaine fois, je passe par la fenêtre. Voilà, de toute façon, je serais passé par la fenêtre. Bah oui. Ça va? Me dis rien. Il a encore picolé. Ils ont commencé à s'engueuler dès que papa est rentré. J'ai entendu ça tellement de fois, il pourrait changer de disque. Toujours la même histoire qui se répète. Ça irait peut-être mieux si tu t'impliquais un peu, tu vois, pour une fois. Qu'est-ce qui t'étonne? Y a rien de nouveau. Ils s'engueulaient déjà quand on portait des couches. Enfin, quand tu portais des couches, j'étais en avance. Dennis, pour la 36e fois, tu peux aller ranger ton bazar dans le grenier. Hé, un peu de respect. C'est une collection rare et extrêmement recherchée. Oh.
Elle a dû être militaire dans une autre vie. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est Denise dans toute sa splendeur. Fidèle à lui-même. Comme d'habitude. Un petit con, quoi. Ouais, après, voilà, c'est l'adolescence. En même temps, Hey, Denise! Avec les darons, ça a pas l'air d'être au top, hein. Putain, tu m'étonnes, cette ambiance de merde. Pas maintenant, j'ai pas le temps. C'est la gamine qui pète les couilles, là? Ouais, ouais. Mal poli. On clique pas comme ça sur les gens? Ah ouais? Allez! Hey! Arrête de faire la folle! Seigneur, tu m'as fait peur, mon ange. Je vous ai entendu parler de moi. Pas maintenant, Megan. J'aimerais prendre un bain, tranquillement. Et oublier un instant tous ces problèmes. Bon, après, on la rejette vachement quand même, miskine. Ouais, j'avoue, peu cher. Ah là là, les problèmes. Tu devrais peut-être en parler aux parents. C'est pas une bonne idée que je me mêle de ça. Tu me connais, je ferais qu'aggraver les choses. Ça avait l'air plus grave que leur connerie habituelle. Ils étaient en train de parler de Megan. Elle a fait un truc grave. Megan est une gamine difficile qui cause tout le temps des problèmes. Papa et maman sont déjà au courant. Ok, mais Megan les a entendus parler d'elle. Ça semblait vraiment la perturber. Perturbée, c'est un état permanent chez elle. Où est notre petite princesse, d'ailleurs? Vaut mieux laisser Megan tranquille. En tant que grande sœur, c'est ma responsabilité d'aller lui parler. Ouais, c'est ça. Comme si t'étais responsable. Elle est à l'étage. Je vais la voir. Allez, let's go. Megan! C'est parti! Là là. C'est pas ça, mec. Voilà. Merde. Ah. Pardon. Oui, c'est pas grave. Je savais qu'il faut pas que je touche cette touche. Attends, j'ai appuyé sur R1. Hein. Ouais, mais c'est erré. Attends, et si je fais ça? Non, ça va. Ah merde, putain, je me rate à la fin. Quel gros nul. Tu devrais surveiller ta Je m'en boucane avec Denis. Oh super, c'est la bonne ambiance pour elle. Il me gueule dessus alors que je lui demande juste s'il va bien. C'est bon, papa. Tania est en train de s'en occuper. Mais toutes les portes sont fermées dans cette baraque. J'aimerais bien voir élever une famille pareille. Même le diable aurait du mal à s'en sortir avec vous. Je suis dans la chambre de qui, là? Ah, Megan. Personne ne fait attention à toi. Oui. À qui tu parles, Megan? Megan. Pas la même personne. Elle est où? Ah, attends. Attends, j'arrive, hein. Attends, Megan. Je lis les journaux de mes frères et soeurs. Tu sais que je vois pas ce qui se passe. Ouais, je sais. C'est pas grave. Le meilleur moyen d'oublier ses problèmes. Alcool! Non. C'est faux. Ne buvez pas. Oh, mais je suis dans ma chambre en fait. C'est mon journal intime que je faisais. Tu sais
Putain, mais elle est où, cette gamine? J'ai raté mon truc de respiration. Toi aussi. À la deuxième. Ah, moi c'était à la dernière. Alors je veux pas t'inquiéter, mais Megan parle toute seule. Waouh. Les problèmes de Megan sont pires que ce que je croyais. Hier, est-ce que ça t'étonne? Mais de quoi tu parles? Arrête des bizarres. Non, merde. Bon, trop tard. J'aurais peut-être pas dû le dire, ça. Ah. Ah, la salope. Anthony, c'est pas vrai, t'es où? Anthony, ça me fait vraiment pas rire. Anthony, je suis coincée. Elle m'a enfermée dehors, la sale pute. T'as raison à propos de ma famille. Je le pense aussi. Tania, qu'est-ce qui se passe? Cette petite peste m'a enfermée. Je suis en train de geler, moi. Je viens t'ouvrir, doucement avec Megan. J'arrive. Ah, doucement, doucement, mec. Putain, mais y a de l'essence sur le sol pour que ça se propage mais... aussi vite ou... Megan, sur un carrelage, j'avoue. Ouvre-moi. La cuisine est en feu. C'est pas vrai, tu déconnes. C'est peut-être parce que je lui ai dit qu'elle était bizarre, hein. Ah oui, mais... Ah. Daron qui va te trouver dans les flammes. Maman! Où vous êtes tous passés? Anthony! À l'aide! Allez! Anthony! Hé! Hey, là-haut! Mais qu'est-ce que tu fais avec là-haut? J'étais coincé dans le grenier! Essaie par le balcon! Anthony, à l'aide! Et elle ose dire à l'aide? C'est le seul test! Mais prends la pelle et explose la fenêtre, trou de balle! J'ai plus d'air! Ah ouais, carrément, ça lui fait cracher du sang. Allez! T'as intérêt à faire le bon choix. Tania, tiens bon! Je dois faire sortir Megan! Quoi?
Ah, tu serais mort dans tous les cas. Dégage. Maladroit dans cette famille. Hein. Ah, Denis. Bah, oui, bah non, bah non. Bah oui, voilà. Ils sont tous morts d'une mort différente dans le feu. Ouais. Il n'y en a qu'une seule qui est morte brûlée. Mmh. Karma, hein. Bah non, regarde pas tes allumettes, mec. Oh là là. Qu'est-ce que tu as fait? Bah oui. Non, stop! C'est trop tard! Et bah ça, c'est fait. Putain, mais... Voilà, allez, hop. On les a tous fait crever, déjà. Parce que je dis qu'elle était bizarre. Ah, je suis trop... Won't you spare me over till another Quelqu'un veut retenter sa chance? Excellent! La persévérance, c'est la clé. Ah, excusez-moi un instant. Ah. La vie m'est fastidieuse comme un conte de Fouady, dont on assomme l'oreille déjà sourde d'un homme assoupi. C'est vrai, si l'histoire a été dite entière, sans oubli. Mais la vérité de ce récit n'est pas fixe. Loin de là. Une histoire peut grandement changer quand on la voit d'une autre perspective. Une chance d'emprunter une autre voie, de faire d'autres choix, de découvrir des choses. J'espère vraiment que tout se passera comme vous le souhaitez. Dans l'intérêt de tous, je vous explique quelques menus détails. Je suis le conservateur. Le gardien de toutes ces merveilleuses histoires. J'ai là un récit très spécial à vous faire narrer.
Déconcertant, non? Je suis sûr qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. L'histoire qui nous intéresse n'est pas définitive. C'est encore une esquisse que vos choix participeront à compléter. L'incendie? Non, vous ne pouviez rien faire pour éviter cela. Ce qui est fait, fait. À moins que... Enfin bon, tournons-nous plutôt vers l'avenir. La vie n'est qu'un fantôme errant. Vous êtes sur le point d'entrer dans le plus trouble, le plus dérangeant des mondes. L'aspect dérangeant dépendra de ce que vous choisirez de croire et l'aspect trouble du chemin que vous voudrez suivre. Il existe un nombre infini de directions dans lesquelles on peut voyager. Nous disposons rarement des indices nécessaires, mais nous devons néanmoins choisir une voie en espérant obtenir la clarté et le résultat que nous voulions. Voyez-vous, vous allez déterminer l'issue de ce récit ensemble. Ce que chacun fera affectera souvent l'autre. Donc, bien que vous soyez deux personnes, vous compléterez cette histoire comme une seule. Je me fais bien comprendre? Comme dans la vie, chacun de vos actes comptera. Ils détermineront le dénouement du récit. Vous ne pouvez plus rien faire pour changer le début, mais vous pouvez poursuivre votre périple et influer sur la fin. Vous avez vu le début de l'histoire. Tous ces morts. Combien d'autres suivront repose entièrement sur vous. Tout dépend des décisions que vous prendrez. Que serez-vous, pragmatique, sensible, plutôt la raison ou le cœur? Il n'y a pas de bonne réponse. Parfois, l'un vaut mieux, d'autres fois, c'est l'inverse. Mon conseil, si je puis me permettre, c'est « Sois loyal envers toi-même. » Mais... je ne suis ici que pour consigner ce que vous faites, pas pour vous aider. Je ne suis pas censé intervenir, hélas. Pas mon rôle, semble-t-il. Mais je suis, semble-t-il, autorisé à partager la sagesse de grands conteurs d'histoire maintenant disparus, si toutefois je l'estime nécessaire. Oh! Une dernière chose avant que vous ne partiez. Vous pourriez trouver, dans Little Hope, des images qui vous donneront un aperçu d'un futur possible, une chose qui peut, éventuellement, se produire. Servez-vous-en. Elles peuvent vous aider. On vous attend un enterrement. Allez-y, amusez-vous. Je sais apprécier un bel enterrement. Bon, t'as compris, on joue ensemble, d'accord? Donc pas de conneries. Bah, ça surtout pas de mauvais choix, quoi. Oui, c'est-à-dire choisir de sauver Megan. Bah, tu serais morte quand même, de toute façon. Donc dans tous les cas, ce que t'as fait sans moi, tu l'aurais fait avec moi. Nul parmi nous ici ne saurait dire pourquoi ce tragique accident s'est produit. Non, c'est... Mais réjouissons-nous de savoir que toute la famille est réunie pour l'éternité dans la douce lumière de Dieu. Ah, c'est mon petit copain. J'ai vu que je roulais une pelle tout à l'heure. Ouais. Si on peut vraiment finir pendu, avoir une écharpe, c'est fragile une écharpe quand même. Peut-être que c'était une écharpe bien robuste. Andrew, 18 ans, étudiant, anxiété et détachement. Un truc à... vers son ex. Ouais.
Taylor, 22 ans, étudiante, entêtement, sensibilité. John, 43 ans, professeur d'université, raison autoritaire. J'espère qu'il faut pas retenir, hein, parce que moi j'ai rien retenu. Je le vois nulle part. T'inquiète, je ne sais pas. Des menus. Au lieu de faire l'imbécile, tu viens me donner un coup de main ? David. Non, je sais pas. Il va bien, il est blessé ? Daniel, 20 ans, étudiant, mobilité, défense. Juste une commotion. Ok, professeur. Ou je dois vous appeler. Ah, mais t'es pas. Si t'essayais d'appeler les secours. Oui, non, on n'est pas sur le même truc. Je suis avec Dani. J'ai déjà essayé, mais. Et Angela, 48 ans, étudiante d'âge mûr, rudesse, compréhension. Putain, étudiante d'âge mûr, tu m'étonnes. Hey, Andrew, mon gros, comment ça va ? D'âge mûr, j'en ferai pas ma mille fois en vrai. Qu'est-ce qui se passe ? Un accident. Pardon. Mais y a pas de blessé, on est un peu sonné, c'est tout. Je veux bien vous croire. Je me souviens pas d'un accident. Tu dois être sous le choc. Tu as peut-être une légère commotion. Laisse-toi un peu de temps. L'action et le personnage. Voilà, là, t'as du coup... Non, t'inquiète. Collection et personnages, genre là, tu vois, genre par exemple, moi j'ai Daniel, je joue Daniel actuellement. Et donc j'ai certains mots qui le définissent, qui sont plus ou moins petits. Plus près si jamais. Ouais. Ça, le alt-tab qui. Oh. Ah. Pas mon chat qui s'affiche, moi. Ah. Merde. Pour voir, vite fait. Mon téléphone. Hop. Ah. Voilà, envoyé. Ah non, c'est bon. Ça la claire, ok, super. Bon, c'est pas grave. Ah, par contre. Ah oui, non, mais c'est bon, ma souris, je m'en fous. Hé hey, y a quelqu'un là-haut ? Hé hey, Daniel, c'est toi ? John ! Ah, je m'inquiétais. Daniel ? Taylor, ça va ? Ça va. Nous aussi, merci de demander. Tout va bien en bas ? Ça va ! J'ai déjà connu pire ! Hé, hey, John ! Vous savez pourquoi on s'est crashé ? Pas vraiment. Je crois que le chauffeur a fait un écart pour éviter quelque chose. Il est avec vous ? Non, on l'a pas vu. Bizarre. Il est pas ici non plus. Vous pouvez monter nous rejoindre ? La porte est raide. Il y a un chemin ici qu'on peut prendre. Bien. Alors suivez-le. Il doit rejoindre la route. On se retrouve en haut. Entendu. À tout de suite. Ouais, d'accord que c'est les mêmes que dans la maison. Bah, il y a forte chance qu'ils se ressemblent un peu quand même. Ah, il me semble. Viens m'aider à relever Andrew, tu veux ? Surtout que si tu fais gaffe, chaque personnage a la première lettre des autres. Qui êtes-vous ? Talia, Taylor, T'es sous le choc. Anthony, Andrew, je suis John, ton professeur Denis, de Daniel. On était dans un bus pour une sortie, mais il y a eu un petit problème. Je me souviens plus des parents. L'accident n'était pas au programme. Ouais, on va trouver de l'aide, tous ensemble. On va dire que c'est un bon exercice pour se forger le caractère. Super travail d'équipe. J'ai fait un rêve. Très réaliste. Il y avait des flammes partout, c'était... horrible. T'as dû te prendre un sacré coup sur la tête. Cette piste que suivent les autres devrait croiser la route. Allons les rejoindre. Faut qu'on réfléchisse. Pourquoi quitter le bus ? C'est pas comme si on savait où aller. Non. On pourrait y passer la nuit. Notre seule chance, c'est de rejoindre les autres et de regagner la ville pour aller chercher de l'aide. Baladons dans les bois. Où est le chauffeur ? Il aurait déjà dû revenir. Le chauffeur a fait la seule chose raisonnable, aller chercher de l'aide en ville. D'accord. Allez-y, je vous suis. Eh ben... Plus vite on trouvera de l'aide, plus vite on rentrera chez nous. Restez bien avec moi. Elle est déjà dégueulasse, sa tenue, salope. Ah.
Quel enfoiré, ce chauffeur. Voilà, putain. Il se barre comme ça et il nous laisse tomber. Il s'est peut-être pas rendu compte. Il doit être sous le choc. Il est responsable de nous, ses passagers. Il peut pas filer comme ça. Putain. Oh, ça va, il en reste un. Ah, putain, j'ai failli pas l'avoir. Il va se retrouver dans l'eau, la vieille. Wouah, quelle fille. Ainsi. Voilà. Daniel et Angela ne devraient pas tarder. Il y a une chaîne qui ferme la grille. Oh, elle commence à me péter les couilles, la vieille, là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah, il est temps, hein. Je suis content de t'en voir. Enfin. Tu sais, elle fait que me parler, ouais. On a fait un petit tour. Ce qui est sûr, c'est que vous avez pris votre temps. Ah. J'étais inquiète. Mais oui, c'est ça. La grille est fermée. Il y a une chaîne. Fouillez un peu. Essayez de trouver quelque chose pour la forcer. Tu crois que ça va marcher? C'est bon. Je vais pousser de mon côté. Vas-y. 3, 2, 1, pousse! Oh! Plutôt solide pour une chaîne rouillée. On essaie encore une fois. Il faut que tu matraques. Ouais, j'avais compris. Pousse. Oh. Admirez un peu le travail. Bravo à vous deux. Qu'est-ce qu'on va faire? Rejoindre la ville, essayer de trouver de l'aide. Mais vous savez où on est? Oui, tout près de Little Hope. C'est sympa comme nom, ça. Eh bien, justement, Little Hope a une histoire aussi sombre qu'intéressante. Il s'est passé des horreurs ici, il y a bien longtemps. Et vous mourrez d'envie de nous en parler. Tu commences à m'agacer avec ton attitude. Et vous n'avez encore rien vu. Je peux vous montrer? Ah putain, je joue la salope! Ouais, j'ai l'impression. Tu es ce qu'on appelle une peste, tu le sais? Ce genre de fille n'est pas pour toi, Daniel. Oh, la vache. La salope. Ouais. N'importe quoi. C'est pas mon petit ami. Qu'est-ce que tu lui as raconté? J'ai rien dit du tout. Occupez-vous de vos affaires, ok? Tu te prends beaucoup trop au sérieux. Dieu sait pourquoi. Quoi, déjà? Mais non... C'est ça, étranglez-vous. Je me borne à faire de simples observations, il n'y a rien de mal à ça. Sauf que c'est carrément malsain, alors stop. On est en train de perdre un temps précieux. Il faudrait vraiment qu'on avance. Ah, tu merci. Tu trouves que c'est une bonne idée, toi, de rejoindre la ville? C'est pas si idiot. J'étais plutôt d'accord au début, mais maintenant j'hésite. Tu veux faire quoi? Tu veux rester en plein milieu de la route? Quoi d'autre? Tu veux pas venir attendre au bus avec moi? Ah bah. Je suis d'accord avec le prof. Le mieux à faire, c'est d'aller en ville et chercher de l'aide. Il a pas envie. Quoi qu'on dise, ça fera aucune différence. T'en fais toujours qu'à ta tête. Allez, bon, Taylor, nous laisse pas son tomber. Mec, alors. C'est pas une bonne idée d'errer toute seule dans le noir. Viens avec nous. Vous en faites pas pour moi, je chope la première voiture qui passe et je viens vous chercher vite fait. Ah, rip. Viens avec nous. Bah ciao, hein. C'est une blague. Oh non. Moi, je vais nulle part avec vous. Ah, bon bah, on a perdu une. Quoi?
Mais je suis partie dans l'autre sens. Alors, on n'a plus envie de faire bande à part, finalement? Pourquoi t'es revenu? Je piche pas. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Elle est perdue dans son monde. Tu peux nous dire à quoi tu joues? Tu t'en vas ou pas? Hé, hey, oh, mais... qu'est-ce que tu fabriques? Taylor! Fais gaffe! Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que tu fous? Tu reviens tout le temps! Je voulais pas revenir! J'ai tracé tout droit à chaque fois! C'est comme... Je sais pas, c'est comme si je pouvais pas partir! Ok, faisons un test. Allons-y tous ensemble. On est arrivé de ce côté, on devrait pouvoir repartir par là. J'aimerais que tout le monde reste bien groupé. M'étonne. Et on ne traîne pas. On se tient tous par la main, c'est ça? Non, ta gueule, Angela! D'accord, ah, putain, j'avoue. Je vous suis. Insupportable, la vieille. On l'a fait crever, elle, on est d'accord, hein. Pitié. Oh, quel enfer. Ah, tu... Moi, je fais... Je fais en fonction... Enfin, genre, tu vois, Angela, ça paraît d'être une pute, ben, je la fais jouer... je la joue en connasse, tu vois, genre... J'essaye d'aller dans le sens des personnages, mais en même temps... Non, pitié. Non, pas toute aussi. La game comme ça, quoi. Je dois avouer que c'est assez Non, mais étrange. Non, mais... Pas faire tout en Angela. Ah oui, j'ai compris. C'est pas possible. C'est exactement ce que je vous disais. On est coincés. On peut pas partir. On ok. Fait quoi maintenant? Calme-toi, respire. Ouais, respire là. Il y a forcément une explication rationnelle. On est peut-être mort dans l'accident. Ouais, belle théorie, mais je suis certain que nous sommes encore bien vivants. Aux dernières nouvelles, vous êtes prof de littérature, pas de métaphysique. Continuez, ça durera pas. Tout ça, c'est votre faute avec votre sortie à la con. On est coincé dans ce bled paumé. Arrête, tu dis n'importe quoi. Je ne pouvais pas prévoir cet accident de bus. Tu ne vas pas me le reprocher. Non mais, vous vous foutez de nous? Change de ton, tu veux? J'essaie juste de comprendre ce qui se passe. Exactement comme toi et comme les autres. Je crois que j'entends en double. Oh, allez, tiens, vas-y. Sans c'est une conne. Mais y'a rien à comprendre, c'est ça que vous pigez pas! Ce que je comprends, moi, c'est qu'on n'en serait pas là sans votre sortie à la con. Tu crois que ça m'amuse? Je suis pas plus heureux que toi d'être coincé ici. Super! Si c'est vous le responsable, on n'est pas dans la merde. Pour l'heure, c'est la brume qui est responsable. Tout le monde sauf vous, quoi! Soyez sympa et allez vous perdre dans cette putain de brume! J'aimerais autant que s'il vous plaît, on arrête. Ça sert à rien de se disputer. Maintenant, on va où? C'est la merde! On partira jamais d'ici! Si quelqu'un pense pouvoir faire mieux que moi... Laisse ma place! C'est peut-être pas réel. Toi aussi, t'entends en double ou pas? Ouais, faut qu'on se tire d'ici, maintenant! J'ai besoin de réfléchir. J'aurais dû choisir le propre traîneur. Mais quel con! Vous pouvez pas tous la fermer! Bon bah voilà. C'est pas comme ça qu'on trouvera de l'aide, ou qu'on sortira d'ici! C'est un effet de style audio. Nous en prendre les uns aux autres ne nous mènera nulle part. Nous devons travailler ensemble en équipe. Allez, c'est bon. On arrête de s'emboucaner. Soyons méthodiques. Attends. La brume... se trouve entre nous et le non, bus. On va tous crever. Mais il n'y en a pas non, entre c'est nous pas le but, je crois. Et la ville. Bah oui, bah, prenons cette direction. Faut... Je vois pas trop en quoi nous éloigner du bus va nous aider. Il n'y a rien du tout dans le bus. Alors, fais un effort. Nous sortir d'affaires. En ville, il y aura des gens, un téléphone, quelque chose. Ça m'ennuie de l'admettre, mais c'est vrai. Il n'y a nulle part où on puisse aller sauf dans cette fichue ville. Je vois pas. C'est une bonne idée, je trouve. Tu me laisses toute seule? Où tu vas là? Taylor, on devrait les suivre. Tant qu'on en sait Allez, c'est plus, bon. Suis-nous, Taylor. Ensemble. Ouais, merde. Arrête de casser les couilles, sinon on te bute après la vieille. Ah non, je joue Angela. Ah, je joue Taylor. Alors regarde un peu partout, parce qu'il peut avoir des petits trucs qui brillent et du coup des indices. Pourquoi J'ai t'as effectivement dit qu'on vu un talisman chelou. Tu crois vraiment que c'est possible? J'ai vu à la télé que le cerveau pouvait fonctionner quelque temps après la... Tu sais. La mort? Non, laisse tomber. Le raisonnement était un peu bancal. En même temps, est-ce que j'ai envie de trop m'éloigner de la route pour aller au bord du chemin? Je sais pas. Oh, un petit chat. Miaou. Miaou. Ce rad, ça met pas en confiance. Ah bah tu m'étonnes. Ah. Et bah un man. Je l'ai vu. Il y avait quoi? Bon, il y avait on un attend monsieur. Quoi ah. Dans la maison. Une ombre qui est passée. Hmm. Je suis pas sûre que ce soit une super idée.
Non, mais par contre, Taylor, au bout d'un moment, il faut peut-être te chier dessus un petit peu. On pourra peut-être téléphoner. Je vais entrer, jeter un coup d'œil. Allez-y, on arrive tout de suite. Ah, ça va s'expliquer. Pourquoi on va pas avec les autres? Je sais que tu me caches quelque chose. T'as dit que j'étais pas ton petit ami. Comme si c'était une idée ridicule. Oh, t'es sérieux, là? Notre bus se crache, on se perd dans la brume et tu me prends la tête pour un titre bidon? Tu admets que petit ami, c'est pas un titre que tu me donnes. Je suis quoi, alors, hein? Je disais ça pour plaisanter, fais pas la gueule. T'avais pas franchement l'air de plaisanter. Où ça? Quoi? Tu me fais pas confiance? C'est pas que j'ai pas confiance, mais... Je voudrais juste qu'on puisse en parler ouvertement. Je suis pas prête pour qu'on s'affiche publiquement. Oh là là. Mais ça va venir, c'est promis. Je peux faire quelque chose pour te convaincre que je suis le bon? J'ai besoin de pouvoir vraiment compter sur toi à 100%. D'être bon, les amoureux, là! Ouais, ça va, deux secondes. Attraper les autres. Casse la scène, j'hallucine. Ils allaient se pécho, tu les as fait tressaillir, là. Ou vous comptez entrer? Aïe, aïe, aïe. Non, mais attends, par contre, Taylor, il faut qu'elle se calme. Ah là là. Aïe, aïe, aïe. Les problèmes, encore, toujours. Oh, il y a un man. Ouais, ouais. Bonsoir. Vous allez bien ? Grande forme. Excusez-moi, nous cherchons le chauffeur de notre bus. Hein ? Vous l'avez vu ? Ouais, très marrant. Pardon ? Qu'est-ce que c'est que toute cette brume ? C'est bizarre. Ouais, une vraie purée de pois ce soir. Ouais, et ça nous empêche de partir. Ouais, ouais, je connais ça aussi. On devrait fouiller un peu. Il y a bien un téléphone quelque part, non? Regarde un peu ça. Allez, on s'en fait une? Mais non. T'es sérieux, tu veux jouer aux fléchettes? Quoi? Fais un effort. Tu veux jouer aux fléchettes? Hein? 10 balles, que tu la mets pas dans le mille. Je parle à Vincent. J'en veux pas de ton fric. Je veux juste m'amuser. Ok, comme tu veux. Je suis jeune. Oh non, une partie de fléchettes, j'hallucine. Bien le moment, tu vois. Commence par un tir facile. Et c'est... Est-ce qu'on boit? Un vin tout simple. Non, on boit pas. Vous faites quoi ici? Little Hope, c'est plus vraiment ce que ça fait. Ouais. T'as eu de la chance. Tente un double 7. Double 7? Vous êtes encore sous le choc. Continue. Oh putain, mais je sais pas où c'est le double 7, moi. Mais il marche plus longtemps. Ah, c'était peut-être pas une super idée. Faut trouver de quoi. Laisse-moi une dernière chance. Je mettrai peut-être dans le mille. Mais qu'est-ce qu'il a, ce type? Bon, bah, voilà. Je passe pas une super soirée. Il y a des jours avec et des jours sans. Truc de fou, hein. Coincé avec ces gens à cause de cette brume. Comment tu te sens avec tout ça? Je sais pas vraiment, on passe pas une bonne soirée, ça c'est sûr. Mais je me dis que ça pourrait être pire. Franchement, je trouve qu'il y en a certains dans le groupe qui se la ramènent un petit peu trop. Comment ça? On a fini de parler dans le dos là, la Taylor là? Tu crois que j'entends pas? Oh. Angela, elle me saoule vraiment. Faut toujours qu'elle se mêle des affaires des autres. Je pense pas qu'elle soit méchante. Je croyais que je pouvais compter sur toi. On va voir ce que font les autres. Il est dans son monde à lui.
Alcool. Un jeu de fléchette. Ah non, hein. J'étais plutôt bon dans ma jeunesse. Oh, restez, putain. Jouez un peu, pas de soucis. Il faut bien que je fasse aller mon... faire un petit tour. Oui. Que je fasse ma... Comment jouer ? Allez, fais donc un double vin. Rien qu'une partie. Et puis on réfléchira à un moyen de s'échapper d'ici. Tenter de faire un gros double. Ce bar est une ruine. On trouvera rien d'utile ici. Pour une fois, je suis d'accord. Plus vite on quittera cet endroit paumé, mieux ce sera. Ok, c'est pas mal tout ça. J'ai la technique. Maintenant, le triple vin. Le triple vin. Hey, ça mérite une médaille d'or après la soirée qu'on a eue. Poussez-vous les nazes. Pas de fléchette au JO. Encore. La vache. C'est quasiment. Bam. Des années 70. Vous faites mieux que Taylor. Revenons-en à ce qui nous amène ici. J'ai tout réussi. Bravo. Alors, fouillez le bar. Je peux lui parler encore ou pas, Vince? Oh, j'hallucine. Je voudrais vraiment partir d'ici, maintenant. Je sens l'alcool qui monte. Tout va bien? Il a sans doute un peu trop bu. On a eu des jours meilleurs. Vous ne voulez pas nous aider? J'en ai strictement rien à foutre de l'histoire. Quoi que ce soit, on apprécierait vraiment. Arrêtez, Tirno. Vince, il est bizarre. Il veut pas nous aider. Ah. Et après, il a dit « Arrêtez de dire nous ». C'est coupé. Bon, le téléphone, il marche pas. Vos enfants s'intéressent à l'astrologie. Le révérend Carson. Oh non. Personnellement, je prendrais bien des... Faut vraiment que je me calme sur l'alcool. Ça nous arrive à tous de picoler un peu. On devrait le laisser. Quoi encore? Pas moyen d'être tranquille ici. C'est HS, pas de tonalité, rien. Le téléphone est HS, on dirait. Je vous avais dit qu'il marchait pas. Eh, hey, c'était juste une question. On se calme. Je vous ai dit tout ce que je sais. Ah ouais, il y a Andrew sur la photo. Oui. On s'arrache. Du coup, t'as vu, il y a le journal, ça parle de l'usine où il y avait eu où il y avait le daron. Ouais. Et ça parle aussi de Révérend Carson qui veut apprendre l'astrologie aux gosses. Astrologie, gamin. On peut se tirer d'ici. Mais genre, il parle de... J'ai pas tout lu, mais je crois qu'il parle de satanisme, je sais pas quoi. J'ai pas eu le temps parce que tu t'es barré. Quittons cet endroit et... Ah, désolé. T'inquiète. C'est quoi, ça? J'ai clairement entendu quelque chose. Vous aussi, vous avez entendu? Sortons. Ah oui. Quoi que ce soit, ça venait de dehors. Vous êtes sûr que vous voulez retourner dehors? On ne trouvera rien ici. Il faut qu'on avance. Ouais, bonne rentrée. Chance à vous. J'espère que vous trouverez votre bonheur. Il a l'air inquiet, Vince. Bah, qui serait pas inquiet dans ce bled Ah bon, il n'y a pas d'alerte? Mais c'est bizarre. Attends. Apparemment, j'ai pas d'alerte, mais j'ai rien reçu. T'as pas d'alerte. Ah, si, c'est bon.
Bah merci beaucoup Fluffy pour ton sub. Oh, c'est bien. Ouais, voilà, en fait, il faut partager le sub pour que je puisse l'avoir. Ah bah oui, s'il le partage pas. Sinon, je l'ai pas. Peut-être dans ton flux d'actualité Twitch. Le son vient de la ville. Bah, sur Simlabs aussi, ça se mettait pas. Il vient de fermer à clé, ce vieux taré. Trop bizarre, le papy. Merci il avait pour clairement ton un souci. Qui viendrait dans ce taudis juste pour se la coller? J'ai pas compris. Ah, c'est cool, tu joues Andrew aussi. Oh putain, je suis Angela. C'est moi, j'y vais en premier. Hop là. Pourquoi ça met en retard? Trop bizarre. Andrew? Avec un flingue? Deux secondes. Hein, quoi? Trouver un... Comment ça s'appelle? Regarde. What? Ah oui. Bon. Des informations cachées. Ok. Nous, on est où? You are here. Ok. Donc, on va croiser en premier l'école. Ensuite, la police. Ah, des armes. Merci. Ensuite, le cimetière. Ensuite, le centre-ville et le textile shower. Massacre mémorial, exécution site, mais c'est quoi cette connerie? Ok. Une ambiance quoi. T'as trouvé une arme? Non. Mais si on va au Comico, ouais, une amulette toute nulle. Ah. Par contre, vous vous êtes barré sur moi là. Ah bah meuf. Vous voulez bien essayer de suivre vous deux? Je me fais engueuler par John en plus. Eh, hey, je suis toute seule! Bah, viens. Je suis en train de regarder la map! Oh, putain. Voilà. Chat. Ah. Il y a un truc là. Tu l'as vu? Ah, chat! Voilà. Ça prendra. Y'a quoi? Mais c'est le pire, c'est que j'ai eu le screamer, c'est Andrew qui m'a dit. Je viens hey, voir quelqu'un dans les voir. Je venais voir. C'est ça qui t'a fait sursauter. Chauffeur de bus. C'était le chauffeur. Bah, ça a fait un bruit, ça fait. Je suis sûr d'avoir vu quelqu'un. Sûr à 100%. Et bah, du coup, t'as vu qu'est-ce quoi, que tu frérot as? C'est une enfant que j'ai vue. Hein? Une enfant. Là, tu te paies vraiment ma tête. Je vais te faire soigner, hein. Je sais ce que j'ai vu. On va retrouver les autres, d'accord? Venez, vous deux. On doit rester proches. Pourquoi il y a un truc bizarre derrière? Voilà. Alors? Ah, c'était pas une enfant, c'était une femme pendue. Vous avez entendu? Qu'est-ce qui se passe encore? Ok, c'est gagné. On a peur. Qui est là? Qui que vous soyez, ça n'a rien d'amusant. John, où êtes-vous? Daniel, allez, John, où êtes-vous? Je trouve pas ça drôle. Oh. Allez, on se barre. Bah ouais, on va pas rester là, hein. Salut. Restez auprès d'Angela, sans déconner. Non, je vais partir tout seul dans mon coin. Restez près d'Andrew. Ouais, pop, reste là. Hé, hey, attendez-nous. Attends, il y a... T'entends? Oui, ils veulent pas courir, là, au lieu de juste marcher vite, sans déconner. Qu'est-ce que c'est? Là, il y a un truc. Ah, vas-y, regarde.
Moi, je... Toi, tu quoi? Tu viens avec moi, toi? Ouais, je suis là. Là, je t'avais dit. J'ai trouvé ça. Ah! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, putain. J'en sais rien. Une poupée! Une poupée de l'époque. Dégueulasse. Ah. Oh putain. Qui êtes-vous, monsieur? Comment ça, qui êtes-vous? Andrew. Andrew. Quant à vous, madame? Et toi, t'es qui, salope? Et qui es-tu, toi? Oh là là, qu'est-ce la vieille chiante. Je me nomme Marie. Marie. Je l'ai conçue de mes propres mains. Elle est flippante, ta poupée, Marie. Elle ressemble à celle que vous avez. Voulez-vous bien jouer avec moi? Non. Non, ça ira. Venez jouer. Venez jouer avec moi. Quel tour joues-tu encore, Marie? Je ne joue aucun tour. Tiens ta langue. Je vois clair dans ton jeu, Marie. Le révérend Carver te portera moins d'affection quand il apprendra que tu ferais avec le démon. Oh là. Amy, ne t'en vas pas. Il y a des gens là-bas, près du feu. Quoi? Je ne vois aucun feu. On va devenir tous fous. Je les ai vus aussi. Voilà. Est-ce que ça va? Il y a un frérot derrière. Comment vous avez pu ne pas le voir? Je ne voyais rien du tout, parce que cette satanée brume est impénétrable. Allez-y, dites-leur ce qu'on a vu. Une petite fille a fait irruption dans la brume, et l'instant d'après, elle avait disparu. Vous vous fichez de moi? Peut-être que la brume perturbe vos sens. On est tous à cran. C'est ça, à cran, oui. J'ai vu une fillette danser juste là, comme je vous vois. La petite a dit qu'elle s'appelait Marie. C'était la même que la fille dans mes rêves, mais... Elle avait une drôle de façon de parler, comme dans un film d'époque. C'est vrai, je me suis fait la même réflexion. Oh, mais dans quoi on s'est embarqué, là? Cette gosse, Marie, elle voulait te faire du mal? Non, elle voulait jouer à la poupée. Non. Je crois pas qu'elle voulait me blesser. Et maintenant? Nous n'avons plus qu'à suivre la route jusqu'à la ville. Vous déconnez. Tu as une meilleure idée? Voilà. On va le blesser en attendant, il a un beau bleu, là. Oui. Non mais allez, tracez là les deux. Suivez les autres en même temps, s'il vous plaît. On va pas se retrouver encore seul. Flippette. Oui, oh. Eh bien, voilà qui commence plutôt fort, dites-moi. Tout ce que chacun fait ou ne fait pas dans sa vie finira toujours par le rattraper. Qu'en pensez-vous? Ne me regardez pas. Je ne peux rien faire. Je vous l'ai dit. Nous nous félicitons parfois, au moment de nous réveiller, d'un rêve troublé. Ce peut être le moment après la mort. Durant toutes ces années à voyager, j'ai été le témoin de scènes, de manifestations et de croyances, et il y avait souvent une part de vérité dans chacune d'elles. Ces pauvres gens semblent avoir affaire à des forces au caractère inexpliqué. C'est vrai, des mouvements sinistres dans la forêt, des esprits du passé et cette fillette qui a des ennuis. À moins qu'elle ne les cause, ces ennuis. Enfin bref, reprenons. Angela n'obtient que peu de confidences de la jeune femme.
Oh, pas de petite cachotterie. Et ce bon John, notre figure d'autorité peut-être? À moins, au fond, qu'il n'incarne autre chose. Et puis, il y a Andrew. Un peu confus, à mon avis. Son choc à la tête, sans doute. Je vous rassure tout de suite. Vous avez contribué à des décisions qui se révéleront payantes. Et à d'autres qui pourraient s'avérer fort regrettables. Cet homme dans le bar, il était loin d'être serviable, franchement impoli, n'ayons pas peur des mots. Il semblait être perturbé par quelque chose. Assez ! Il se passe des choses très étranges à Little Hope. Et des âmes sont peut-être en péril. Retournez sur place, tentez de dissiper la brume. Trouvez le chauffeur de bus. Enfin, un autre chapitre, et après, enfin, sauf si tu dois. Prochain tu dois partir à quelle heure? Attends, je vais regarder. Prochaine presta. Est-ce qu'ils ont mis la voix de Morgan Freeman au narrateur? Oui. Cette voix, moi. Ah, je trouve que ça lui va bien. Alors, première presta, 15h. Ça va. Bon, bah, on fera un second chapitre. Ouais, vas-y, vas-y. On arrêtera la prochaine fois qu'on voit Monsieur Freeman. Allez. Je sais que c'est perturbant, mais on va s'en sortir. Perturbant, tu parles ? Ça fait un bail qu'on a passé le stade du perturbant. Oh, je suis encore Angela. Pourquoi t'as choisi Angela ? C'est pas moi qui choisis. On dirait bien que ça les a fait flipper. Moi, j'ai un écran. On ferait mieux de les choisir. Choisir, je crois. Ah, peut-être qu'il n'y a pas le choix, je sais pas. Non, en fait, ça dépend. Si... En gros, là, si toi t'avais joué Talia, Taria, je sais pas quoi, au début, mm-hmm. Bah là, tu serais Angela. D'accord. C'est qui ? Ah, c'est le chauffeur de bus. Hein ? T'as trouvé le chauffeur de bus ? Non, mais une prémonition. Super. Sacrifice humain. Tiens, regarde, il est juste ici. Ah ! Oh là ! Oh là là ! Oh là ! Nocturne. Ah oui ! Pas de quoi s'inquiéter. Ouais, espérons-le. Il y a des trucs qui marchent dans les arbres. Il y a des bruits bizarres aussi. Bon bah vivement qu'on trouve le comico, hein. Je serais pas contre un fusil à pompe là, je sais pas pourquoi. Une intuition comme ça. Ah, ça c'est la pute. Ah. Bah ça devrait m'arriver alors. Ah non. Eh, on verrait peut-être mieux de là-haut. Oui, bah c'est là où j'allais, connard. Oh, hein. Oh, c'est une idée à la con d'aller dans les bois comme ça. Mais non, c'est juste une petite aire... Oh, ah oui. Ghost Town in the Northeast. Oh là. Petite aire. Bon, en gros, ça explique vite fait. J'ai pas tout lu, mais que c'est une ville fantôme, quoi. Ah, on peut parler à Andrew. Tu peux parler à Andrew. Ah. Je crois qu'on est en danger. On voit des choses. Qui écrit ces merdes? Je te vois derrière en train de lire ton journal dans ma cinématique. Mmh.
Un peu perché la ville quand même. Hein ? Un peu perché la ville, je dis. Bon bah moi je vais rejoindre les autres. Hein. Voilà. Attends, parce que moi je suis dans une cinématique, ça va montrer les bois là, c'est trop bizarre. Ah. Bonjour. Comment ça, bonjour ? Bah bonjour, on va partir de là. Il y a un monstre dans l'eau. D'accord, let's go, parons-nous. Et où ? Bah moi je suis sur la route hein. La trouille, hein, t'as trace. Vu ? Bah ouais, attends, on va pas rester là. C'est bien, y a un monstre dans l'eau, on s'arrache. Tu taperas le screamer. Et vous êtes où ? Bah derrière, vous êtes de l'autre côté. Oh putain non, vous êtes devant. J'ai eu volant de torche au loin. The Witch of Edmond. Ah. Sorcière d'Edmonton. D'Edmonton. Une pièce de William Rockway. Thomas Decker et John Ford. Représentation de tenue d'époque au collège de Little Hope. Samedi 17 avril, 19h. Oui, peut-être. Bonne ambiance. Grand rassemblement historique. Cela expliquerait la présence et de gens en costume. Je veux pas passer en premier. Déconner. Sérieux, un rassemblement historique. Je vais taper le streamer de la biche là. Vas-y. Chacun son tour. Ah là là, t'as vraiment une petite chose. Eh oh, je me suis déjà pris le screamer de la biche. Ouais, moi aussi j'ai mangé des screamers, ça va. Oh, on voit rien, vas-y, quel enfer. Ah ouais, mais toi, ouais, parce que t'as pas monté la lumière. Moi j'ai mal muté. Ah. J'ai monté la luminosité un peu plus, moi quand même, hein, histoire de voir quelque chose. Hein. Eh ben, je vais pas aller là-bas. Ouais, viens, on trace. Ça, je crois que c'était Marie ou Megan. Enfin, les deux, quoi. Ah non, non, moi je reste dans l'ambiance du jeu, je monte pas à fond. Attends. Ouais, j'ai pas monté à fond, mais bon, je vois un peu plus, quoi. Petite chose. Mais non, mais déjà que je suis myope, si en plus je vois rien à ce qui se passe dans le jeu. Oh, il pue la merde ce truc là. Parce que le pont là ? Ouais. Hey. Bien allumé en plus. Je vois quelque chose. Ah, Little Hope Middle School. Let's go, des enfants zombies. La bonne ambiance. Par où ? Le pont ou on l'école ? Peut y aller. Je suis d'accord. On se casse le pont, non ? Ah. Regardez. Non, l'école. Hé hey. Non. Stop. Ah. Désolé de dire ça, mais c'est exactement ce qu'on voit dans les films d'horreur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On la bute, non ? Oh, ça va, c'est une petite fille. Frappez-la. Voilà, ouais. Quelque chose, merde. Oh bah non, let's go. Je m'en occupe. Ouais, restez là. Occuper, ouais. Ouais, vas-y. Allez, c'est pour ma gueule, putain. Ah, c'est bien, le rationnel va peut-être rationaliser. Non, non, je viens avec vous. Oh, voilà. Bien bonne, madame. Enfin, bien bonne, je comprends, quoi. Ouais, parce que bon, tu es là... J'avoue, ouais. Ah là là! Hé! Hey, vous deux! Ah! Ah oui? Oh non! Non, c'est pas vrai! Ah, ça va. Allez, viens, on y va. Oh, t'es la là. Fille, on a pas d'armes, mec. Bah, t'as une lampe torche, tu l'assommes avec, c'est une. Ah ouais, une t'as démine. Raison, un petit coup de maglite. Ah! Hé! Hey, ah. Y'a quelqu'un? Il meurt dans 5, 4, 3. Ah non. Yo! Y'a quelqu'un ? Si, y'a un truc à côté de toi, non ? Je sais pas. Ah oui ! Oh putain ! Hey ! Qu'est-ce que... John !
êtes-vous? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Nous vivons des heures sombres. Non, restez! Reculez! Ah! Angela! Mais qui diable êtes-vous? Que voulez-vous? Ce n'est pas possible. Un langage en plus d'énigme. Je ne succomberai pas au sort d'une sorcière. Toi la sorcière. Seigneur, je vous en prie, débarrassez-moi de ces fantômes. Qui êtes-vous? C'est pas possible. Détournez votre regard. Nous ne sommes point mari et femme. Il faut aller vers la ville. Ce n'est plus très loin maintenant, et c'est là qu'on pourra trouver de l'aide. L'ambiance est à chier, hein. Non, je vais pas bien du tout. Je suis terrifiée et perdue. Je viens de voir mon propre double dans la brume. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme a surgi de la brume, habillée comme dans l'ancienne Salem. Elle parlait d'une manière étrange, comme dans les vieux films. Et encore plus dérangeant, c'était mon portrait craché! Mais comment c'est possible? Je crois que vous exagérez un peu, Angela. C'est bon, j'en ai marre. On dirait que la brume... T'as vu ce que j'ai vu ou pas, John? Nulle part, excepté dans le centre de la ville. Alors c'est la brume qui décide où on va, maintenant? J'en ai rien à foutre. Je trouverai un autre chemin. Non, faut pas commencer à se séparer. Ah bah non. Vous n'avez jamais vu de film d'horreur? Bah oui, enfin. Il ne faut surtout pas se séparer. Les films d'horreur, c'est naze. Je vais partir de ce côté et sans... Eh bah casse-toi, Taylor. Va crever ailleurs. Il n'y a pas moyen que j'aille par là. Il y a de la lumière. Ou non. Andrew a raison. La ville n'est pas loin. On devrait y aller ensemble. Lâche-nous, mamie, on t'a pas sonné. Oh okay. Putain, mais on va se battre, hein. Et réfléchir à la meilleure option. On explorera plus de pistes si on se sépare. Je vais suivre Taylor. Ce serait trop dangereux pour toi de traîner toute seule. À deux équipes, on a plus de chances de s'en sortir. Et c'est ce qu'on veut tous, non? Non. Tu as raison. Quoi? Vous arrivez à passer la brume et trouver de l'aide, envoyez-les vers nous, vers la ville. Mais putain... Allez. Bon, ah bah nous on va chercher des armes, hein. Pitié. Oh, quel enfer. Ah ouais. Ah, tu te retrouves avec les deux. Oh non, pitié. Avec les deux cons. Mais quel enfer. Oh là là. Oh non. Moi je joue Andrew, enfin. Je lâche Andrew. Je sais pas ce qu'a vu John et j'ai pas l'intention de rester là pour le découvrir. Super. La bonne idée. Oh là là. Quel bruit. Ah. Oh putain. Ouais, pareil. J'ai vu un truc courir au loin, je suis pas rassuré. Ah ! Le QTE. Je suis sûr que c'est rien. Je me demande pourquoi l'école a fermé. Oh putain. Laisse tomber. Même si t'arrives à passer, y a pas moyen que je te suive. Putain, mais c'est Vince avec son vélo à la con. Foutons le camp. Oh, on peut pas passer par là. J'ai peut-être pas fait le meilleur choix. Bon bah du coup... Bien sûr que t'as pas fait le meilleur choix, connasse. Personne nous a forcé à venir ici. On va s'en sortir. Oh, je me retrouve dans les sentiers à cause de Vince. Tchè. Oh, stylé. Il y a eu des procès de sorcières à Little Hope, en même temps que Salem. Qu'est-ce que c'est? Moi, je me dirige sur une aire de jeu. Ça pue. Ah, putain, fils de pute. Ça, mais stop, là. Oh là là, l'ambiance de merde, putain. Je me tape tous les screamers du jeu.
Ouais, bah moi ça va pas tarder, meuf, t'inquiète. T'as vu deux ombres au loin. Je sens que ça me claquait au nez dans pas longtemps. Ah, il y a un mec avec le Picasso. Ah putain. Je la vois. Hé hey, ça va? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Il y a vraiment un truc qui cloche avec toute cette histoire. Oh bah, sans déconner. Est-ce que c'est la gamine qu'Angela et Andrew ont vue? Aucune idée. Wow, tu devrais pas faire ça! On sait pas. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Non mais dites-moi que j'hallucine. Taisez-vous, on ne doit pas me voir. Qu'est-ce que tu racontes? Allez-vous-en, ou il me trouvera. Ah. Oh là là. Montre-toi, ma mère. Je sais parfaitement que tu es ici. Pitié, non, laissez-moi. Je ne te lâcherai qu'une fois certain que tu ne dévoileras pas notre secret. Oh, quel enfer. Tes enfantillages m'exaspèrent. Tu me respecteras, et tu ne diras pas un mot. Non! Lâchez-la, tout de suite! On va vraiment rentrer dans cette petite cabane, là? Tu m'as jeté un sort! Je suis gelé jusqu'à la moelle! C'est Lily qui jette des sorts. C'est elle qui fraye avec le démon. Je l'ai vu dans la forêt qui parlait à ses familles. Mais John, c'est vraiment une caguette. Vérité sera faite, je m'en assure. Oh putain. Tu viens avec moi, petite. Merci beaucoup. Ne dis plus rien. Allez. Est-ce qu'on peut me dire ce qui s'est passé? Il doit y avoir un lien entre les deux gamines. Ça peut pas être une coïncidence. Je suis en pleine respiration. Je comprends pas. Ne traînons pas par ici. Il faut y aller. Ah, un chat. T'as raison. Bah ouais, Johnny se chie dessus. Moi aussi. Non mais je te jure, genre, il y a eu un truc bizarre. Il a direct filé. Il a sauté du pont, il s'est barré. Et là, on entendait un bruit, il s'est barré en courant aussi. John, il se retrouve tout seul, là. Ah, rip. Trou de balle. Il s'enfuit, genre, il protège des gains, genre. C'est censé être... Il était en train de me dire, ouais, je me sens responsable et tout, parce que je suis prof et tout, blablabla. Il y a un truc qui se barre en courant. Magie moderne. La vieille attachée par les pieds et traînée le long d'une falaise, j'avoue. Heureusement que t'es là. On sortira de ce merdier. Ah putain. Tu verras. Ce merdier, on sortira de ce merdier. Bonne chance, les gars. Connerie de se séparer. Ouah, par contre, c'est hyper long, je vais pas tout lire. Hein. Ah bah, je vois plus rien là, on fait quoi? Oh putain. Y'a peut-être quelqu'un? On peut peut-être demander de l'aide? On va voir ça. Je vais t'aider. Ah, oh, ça sent le screamer encore, j'en ai plein ouais, le cul. Moi aussi. Oh là là. Ah non, ça va. Eh merde! Merde! Je suis désolé. Oh, flingue! Ah putain, mais par contre, c'est Andrew qui l'a. Ah, rip. Putain, une cinématique, là? Je suis en train de regarder le flingue. J'ai 4 balles sur 6, je crois. Je me demande où ça mène. J'en sais rien, moi. Peut-être que ça va nulle part. Est-ce que je dis que j'ai une arme? Ouais, allez. J'ai l'impression que c'était un genre d'épicerie. Cette campagne n'a pas très bien marché. Ah, oh, je vais le garder, on sait jamais quand même. Ah oh bah, devine. Ah, vous êtes dans le comico, là?
Non, pas du tout. Ok. On est dans une cabane en bois. Qu'est-ce que tu fabriques ? Tiens, aide-moi à pousser. Sérieusement ? Il n'y a pas d'autre moyen. Angela, si tu parles encore, tu dis un mot Est-ce de plus. Que j'ai pas le choix. Ah ! Vas-y, elle le balance à tout le monde par contre. Oh putain, j'aurais pas dû lui dire. Pourquoi t'ouvres ta gueule ? Vas-y ! Et maintenant ? Aide-moi à monter. Je vais prendre l'escalier. Oh là là. T'es sérieux ? Tu vas entrer ? Je vais entrer, jeter un œil. Si tout va bien, je viendrai ouvrir la porte. Je sais pas trop, ça me plaît pas des masses de rester toute seule dehors. Je reviens vite, c'est promis. Oh là là, mais non, mais fallait la prendre avec toi, du coup. Oh là là. On va crever. Passe ton portable. Pourquoi faire ? La torche, il fait trop sombre. S'il te plaît, reviens vite. Balance-le-moi. Ah, une pierre. J'y suis. C'est pas trop dangereux? Je crois pas. Oh, je sens qu'il y en a un qui va se blesser. Que je vais me choper un screen. Elle en fait. Oh, hey ! Y'a quelqu'un ? Ça va les chevilles ? Eh oh ! Qui est là ? Ah putain ! T'es sûr ? Cette fenêtre est barricadée. Il y avait un passage finalement ? Un trou dans la clôture, sur le côté. Donc j'ai escaladé cette maison hantée pour rien. Le trou dans la clôture était plutôt petit. Tu serais pas passé. Un petit café ? C'est comment là-dedans ? J'ai de la compagnie. De gentils petits rongeurs. Oh ! Ça va. Ils ont l'air bien nourris. Angela, si t'ouvres encore ta gueule une fois, je te tire dessus. Ça marche ! Pourquoi prévenir ? Tant qu'il est lancé, maintenant, let's go, non ? Connard. Ah merde, du coup, je sais pas ce qu'il faut que je fasse, moi. Survivre ? Ouais, deux là, secondes, d'accord, j'arrive ouais. Tout de suite. Ça va, on se calme ! Je suis là ! Allez, pourquoi je suis bloqué, là ? Terminé. Oh, le screamer. Reynolds. Angela ? Mais comment ? Oh là là. Rose, que t'arrive-t-il ? Parle-moi. Je m'inquiète. Ils vont venir me chercher. Calme-toi, mon épouse. Qui viendrait te chercher ? Ça va ? Ouais, tranquille, tranquille. Des accusations. Quelle sorte d'accusations ?
On raconte que je fraye avec le démon, que je m'adonne à la sorcellerie. C'est parfaitement absurde. Qui dirait de telles choses? J'oserais à peine le dire. N'avancez pas. Bien. Mais il faut m'expliquer, là. Qu'est-ce que je fais ici? Et où je suis, d'abord? Taisez-vous. Que savez-vous des rumeurs sur mon épouse Amy? Quelle rumeur? Ouvrez la porte, Joseph. À l'instant. Cessez ces fariboles. Dites-moi vite ce que vous savez. J'ai bien vu une enfant, là-bas. Parlez-moi d'elle. La petite, elle... elle était avec un prêtre. Le révérend Carver. Celui qui frappe à notre porte. Marie. Tessé. Comment, Marie? Marie? Marie m'a vue dans les bois il y a quelques jours. Je vaquais simplement à mes tâches quotidiennes. Nous ne savons pas tout. Marie n'aime point lorsque je la gronde. Elle aurait voulu me le faire payer. C'est une bourrique. Marie serait la source de ces rumeurs. Non, je ne vais pas sortir. C'est certes une enfant troublée, mais elle ne fait pas cela. Joseph, je vous somme d'ouvrir immédiatement. Je vous fais également arrêter. Que pouvons-nous faire? J'y remédierai. Tu as ma parole. Ne leur ouvrez pas. Révérend Carver, Marshall. J'ai ici un mandat dûment rempli pour l'arrestation d'Amy. Ma femme n'a fait aucun mal. Ah, ça parle de l'incendie de la maison. Un témoin l'a vu tenir des propos impies. Qui l'accuse de ces choses? Marie. Les dires d'une enfant condamnent ma femme? Rendez-vous au Marshall sans résistance aucune, pour votre bien. Alors je l'accompagne. Ah. Je refuse de la laisser seule. Il n'est rien que vous puissiez faire pour elle. Laissons faire la justice. Ah, la vieille se fait arrêter. Je parviendrai à t'innocenter. Ah. Dans le passé? Ouais, elle aurait tenu des propos impies. Elle se faisait vraiment arrêter pour rien à l'époque. Bah, c'est période de... Ah ouais, je sais, je sais. Donc, dès que tu peux mettre une femme en court-circuit, bah voilà quoi. Mais qu'est-ce que tu foutais? J'ai un téléphone! Ah. T'as l'air bizarre, ça va? T'as encore vu quelque chose, c'est ça? Il marche pas! C'était pas pareil. Je crois qu'il pouvait me voir aussi. Oh là là! Je sais pas trop, en fait. Parce qu'ils avaient l'air de flipper. T'as vu autre chose? J'ai vu des hommes emporter cette femme. L'arrêter. Bah, cherchons le câble. Elle était accusée de sorcellerie. La gamine flippante. Elle a parlé au prêtre d'une certaine Amy. Ah putain, c'est fils pour de ça pute qu'ils l'ont arrêtée. Cette femme, Amy, on dirait qu'elle est dans la merde. Ah, on s'est complètement planté. Au lieu de se tirer de cette putain de ville de merde, on est revenu en plein dans le centre. Et le téléphone qui sonne. Rattraper l'autre groupe, sans déconner. Putain, tout ça pour ça, quoi. Ça va, je réponds à un téléphone. Non, mais je parle pas à toi. Non, mais l'autre, il me dit... Ah, pardon. Il me dit, genre, je fais, vas-y, je m'en occupe, je réponds, il me fait, sois prudent. Ah, ça va, je... Jamais, hein. Ah? Et on sait jamais. Allez, ça recommence. Attends. L'ombre, sa mère, là, ça saoule. Ah, l'autre ouais, elle est là. C'est quoi votre problème, madame? Passe de ton côté. Attends. Mais c'est la daronne. Ah.
Ah bah, j'avais la meuf que t'as vue emprisonnée qui me disait au téléphone « Je suis accusée de crime. » Et ah, je suis dans le passé, là. Ah bah, moi, je suis dans une boucle où je reviens en arrière. Ok. Pas aller dans la brume. Oh, le révérend Carter, il est... Carver, il est... Il est bizarre. Oh non. Il menace Meghan, enfin Marie. Moi, je peux pas aller. Mais... aller dans cette maison. Il avait pas de visage, le man. Ah. Ah, je suis au procès de Amy. Oh merde. Ça se passe bien la session, je me chie dessus, bro. Mais d'une force. C'est un enfer. Mais ça va, ah, ça va. On a Joseph, le double de John. Ah. Et c'est le mari de Amy. Ok, ok. La double de Angela. Ah oui, ça je l'ai vu. Au moment de l'arrestation. J'approche qui ? Tu veux, meuf ? Moi, je veux juste me barrer d'ici. J'approche Meghan. Oh, la porte est ouverte, je peux pas rentrer là-dedans, c'est quoi la blague là ? Oh non. Yeah. Yeah. Oh, je me suis rapprochée de la gamine. Non, non, dis rien, dis rien. C'est en 3 pp, qu'est-ce que tu veux dire, bro? Ah, troisième personne, ouais, ouais, complètement. Oh non, Marie. Pas Marie, Amy. Ouais. C'est condamné. Bon, bah, j'ai aggravé les choses côté Amy. Mais non, oh là là. Oh, rien, la pute. Allez. Qu'est-ce que je dois faire là en fait? Ok, Blo. Derrière ici, vers de l'autre côté. Ah, peut-être que j'aille là-bas. Non. Ah bah non. À mon avis, il faut qu'on se retrouve. Ah mais moi je peux pas, je suis bloqué. À mon avis, faut que je vienne te débloquer. Mais sauf que je suis en pleine cinématique, donc. L'enfer. Ah non, ça y est, j'ai mon petit frère qui va jouer avec les sons d'alerte maintenant. C'est pas le moment, bro. Je suis déjà en PLS, j'ai changé 3 fois de caleçon. Pitié, quoi. Oh putain. Elle va mourir. Pardon. Ah oui. Ah, moyen bah pendu brûlé. Waouh. Ah. La bonne ambiance, l'inquisition, tout ça. Ah mais faut que j'aille où, bordel de... En plus, il se fout de moi. Ah le salaud. Ah, j'ai déjà été ici.
Waouh, c'est une gamine. Là. Y'a rien. Ok, j'ai mis ça, oui. Là, c'est une barricade. Palissade. Ah, on va pas y aller. Ah! Alors peut-être. Ah bah non. Putain, je suis bloqué. J'en peux. Hé! Hey, ah. C'est quoi? Ça doit sûrement être le seul poste de police. Ah, je suis au poste de police. Le prof allait vers le centre-ville. Nous, on est en train de débrief. Il est peut-être à l'intérieur. Si on veut rejoindre les autres, il faut qu'on aille dans la ville. Ça te va? Ouais, je sais, merci. Ça me va bien si on reste ensemble. C'est peut-être le seul moyen de s'en sortir. Allez, trouvez une issue. J'ai joué qui? Oh. Oh, hey, bien voir un thriller par là. Vous êtes là? Ah non. Oh non. Hey, Taylor! On est là! On n'arrive pas à ouvrir les portes! Ah, ici non plus! Ça doit être verrouillé! On va essayer de forcer la poignée ensemble! Dans 3, 2, 1! Ah. Bonjour! Bonjour! Taylor! Monsieur Dame. Le prof? Alors, vous avez trouvé quelque chose? Non, on n'a rien trouvé du tout. Il n'y avait que des conneries. Toujours convaincu que se séparer était une bonne idée? Disons que maintenant, je suis plus ouverte à d'autres propositions. Bah voilà. Tant mieux si Flipette. Vous trouvez ça drôle tous les deux. Moi, je pense qu'on a de sérieux ennuis, là. Vous savez ce qui est arrivé à votre double? On l'a accusée de sorcellerie. Pas seulement accusée. Elle a aussi été jugée coupable. Et condamné. Oh putain. Nous devons savoir ce que risque cette à cause de moi. Ce qui va non, mais je pense que c'était ensuite. Quoi qu'il arrive. Cette idée me plaît bien, mais je ne vois pas par où nous pourrions commencer. Chercher des nous armes peut-être. Nous avons déjà suivi ces pistes. La réponse se trouve peut-être au bout de celle qu'on n'a pas encore prise. Bah on quitte. Pourquoi pas. On quitte les flics donc. Ah, RIP. Bon bah... À mon avis... Comment ça, vous étiez au PDP, vous avez même pas ramené un pompe? Bah, si j'avais un pas lien la possibilité, avec cette quoi. Femme. Si elle meurt... Il y a des créatures, ouais, il y a des trucs chelous, bro, mais j'ai pas encore vu clairement une créature. Mais il y a des trucs chelous et probablement des créatures, ouais. J'ai pas la moindre idée de ce qui se passe là-bas. Mais je sais que cette femme, c'est pas vous. Bon, bah on the road again, hein. On the road again. Je joue. C'est pas. Qui suis-je? Andrew. Ouais. Let's go. Bon. Rester près des autres, suivre la route jusqu'à. Moi, j'aimerais bien aller là. Cette brume est de pire en pire. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Ouais, je vais dans une maison là. Comment ça, tu vas dans une maison? Allô? Ah, je peux pas y aller. Ah. Attendez-moi. Mais il y a le pont. Concert satanique, j'imagine. Bah, le rock, évidemment. Eh oui. Daniel ! Il faut que tu vois ça.
C'est quoi ? Je m'approche d'un pont cassé. Dis donc, tu nous avais caché que tu menais une carrière de guitariste. Qu'est-ce que... Mais comment c'est possible ? Alors, vous venez ? Ah, le pont en ruine. On n'y voit que dalle. Ah ! Oula ! Oh, Angela ! Regarde où tu mets les pieds. À la droite, la vieille. Hors de question que je m'en approche. Oui, elle a peur de l'eau, Angela. D'accord. Elle avait peur d'une petite flaque. Au début. Genre vraiment d'une petite flaque. Tant vu l'ambiance, moi j'aurais peur de tout, là. Hein. Faut pas se mentir. Ok. Qui commence ? Monsieur le prof. Apparemment, c'est vous le meneur. Mais il se chie tout le temps dessus, le prof. Très bien. D'accord. On aurait peut-être dû l'examiner, le pont. Hein. On va vous aider à traverser, marchons au lieu de parler. Ça ira. Le prof et moi, on va vous aider à traverser sans souci. Tu ne sais pas si le passage est sûr ou non. Prétendre le contraire est un mensonge éhonté. J'aime bien l'Urbex, ouais, bah là, on est dans un bon gros Urbex, là, ouais, ouais. Avec. Bon, bref. C'est la merde! Oh là 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 là. Oh là là, oh là là. Let's go. Oh, ça va. On aurait dû commencer. Après, je sais pas y aller tous en même temps, bande de troupes-balles. Ah, c'était sûr, putain. Hey. À un moment donné, faut être... Seigneur, on fait quoi? Ne restons pas là. Oh là 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 là, on va en perdre un. Ah, un corbeau, signe de mort. Ah, fait chier, on aurait dû regarder, on aurait pas dû y aller. En ce temps de grâce, 1692, nous sommes réunissés pour assister à une juste exécution. Non! Le tribunal a jugé Amy coupable d'hérésie et condamné la sorcière à être noyée. Oh, bah, prions super. Tous en silence pour son âme. Je n'ai rien fait de mal. Je suis pieuse. Je ne mérite point la mort. Par pitié. Oh, Bibou. Je sais pas comment vous aider. Dites-moi ce que je peux faire. Monsieur, je vous en prie. Alors, je sais pas si c'était la bonne idée. Parce que du coup... Ah merde. Voilà. Ah oui. Du coup, ils vont penser qu'elle est encore plus sorcière. Le démon est ici. Oh, il veille sur son suppôt. Il veut l'affranchir de ses chaînes. Isaac, hâtons-nous de conclure la présente affaire. Ah merde. La volonté de la cour doit être faite avant qu'il soit trop tard. Elle est enchaînée. Le diable lui prête sa force. Veillez à serrer ses liens. Oh, Joseph. Vous n'avez pas le droit. Isaac. Je suis innocent. Exécutez l'hérétique. À l'aide. Renvoyez cette sorcière chez son maître avant qu'ils ne viennent tous nous damner. Little Hope est déjà perdu, rongé par le mal. Mais non, comme vous le prétendez, par les démons et les sorcières. Ils nous rongent de l'intérieur. Tes boniments ne pourront pas te sauver. C'est la vérité. Le diable prend bien des formes. Vous le savez mieux que quiconque. À Little Hope, le mal s'est dissimulé sous un voile d'innocence. Il a pris la forme d'une enfant, celle qui m'accuse. C'est la gamine. Tant que Marie n'aura pas rendu l'âme, Little Hope ne connaîtra pas le salut. Vous cherchez le mal, révérend. Il est au milieu de vous. Isaac. Bon, alors, c'est ma faute, my bad. Bon, t'inquiète. Peut-être pour ça que du coup, Angela a peur de l'eau. Parce que son ancêtre est morte, noyée. Ouais, il y a des retours dans le passé, bro, c'est très bizarre en fait. Il y a des concordances entre les gens du passé et les joueurs actuels. Oh, Joseph. Ah ouais, c'est bonne ambiance. Angela, t'es morte.
Pas encore, regarde. Ah oui, non, mais... Son double est mort. Oui. Qu'avez-vous vu? Dites-moi! Ouais, j'ai pas... Non, t'inquiète. Alors la femme, mon sosie, dis-moi! On a vu ce qu'ils ont fait à cette femme. Ah ouais, toi t'as... Et? Bah au moins elle va comprendre pourquoi elle a peur de l'eau. Ils l'ont tuée. Elle est morte. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Oh non... Bah que ton double va venir te chercher. Ah, rip. Tu vas mourir dans un trans souffrance noyé. Ouais. T'approches pas de l'eau, quoi, Angela, en gros. Traverse vite le pont. On va éviter, ouais. Oh, t'es Angela. Pardon. Recule pas. Très bien, je passe devant. Ah bah ouais, de toute façon, on peut pas rester ici. Quoi, il va dans l'eau? Pourquoi tu descends là? Mais frérot, mais... Ok, c'est bon, venez me rejoindre. Ah, mais ils sont au bord. Oui, enfin, il y a quand même du métal. Ils auraient pu continuer, quoi. Allez, la vieille. Pas de conneries, te tords pas une cheville. Ça va. Oh là là, les problèmes. Bah ouais, on est quand même vachement proche de l'eau, quoi. Oh là là, les problèmes. Retournez-vous. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Émile. Écoute-moi ce truc, restez pas près de lui. Ah, j'ai demandé s'il y avait des créatures, voilà. Dégagez d'ici. Un peu trop peu, hein. Merde. Ne me laissez pas là. Voilà, attends, on va faire attention, il faut sauver Angela, parce que là, Angela, à mon avis... Attendez. Attends, qui est qui? Allez. Je reviens bientôt, John. Tenez bon. Essayez d'attraper ma main! Sautez et accrochez-vous à moi! Allez! Ok, ne me lâche pas! Ouai! Allez! Vous y êtes presque! Ah oh, putain, quel enfer! Oh putain, quel enfer! Ah voilà, John a réussi à s'enfuir tout seul. Ça, du coup, j'ai eu une récompense Steam que j'avais pas eue la première fois que j'avais joué. Bien joué! Pouf! Je l'avais vu dans la prémonition qui a fini s'éclater, tiré par une chaîne. Ah! Putain, moi je savais pas ça. Oh boy! Phew! Il s'en est vraiment fallu de peu pour. Sans déconner. Elle a failli connaître un sort pire que la mort. Quoiqu'il n'y ait rien de particulièrement mauvais dans la mort. Ah bon? Eh bien, bravo! Aucune perte tragique jusqu'ici. Les choses auraient pu se passer autrement. Les enjeux ayant l'air d'avoir pris de l'ampleur, cette arme pourrait bien sauver quelques vies. Vous ne croyez pas? Ou avoir l'effet inverse? Eh oui, Andrew a une arme. Faire attention, hein. Ouais. Pas de tirer sur n'importe les quoi non plus. Hein. Ont des idées intéressantes. On sait jamais. Pourrait-il, comme Andrew le suggère, être les réincarnations modernes de leurs alter-ego du passé? Ou préférez-vous croire à l'hypothèse de Daniel, affirmant qu'ils sont tous morts? Mon rêve vivait encore au-delà de la vie. Alors la tempête commençait pour mon âme. Je croyais franchir le fleuve mélancolique. Avec le sinistre batelier, chanté par les poètes et gagné le royaume de l'éternelle nuit. C'est possible, je suppose. Le chauffeur de bus en sait peut-être. Putain, c'est vrai, il est où, lui?
Vous devez trouver tout cela bien confus à ce stade. Sosie d'autrefois, sorcière, fantôme, mort, horrible démon. Qu'est-ce qui pourrait bien relier toutes ces âmes damnées entre elles? Nous finirons bien par savoir. On m'a accordé la permission de vous offrir un indice, un seul. On tente? Oh non. Comment ça, non? Bah non, on ne veut pas besoin d'indice, on est fort. Ok. Si on perd quelqu'un, ce sera ta faute. Vous êtes d'accord. Vous refusez mon aide? Bravo! Quelle indépendance! Ou quelle stupidité! Bah oui, c'est sûr. Mais nous non. Saurons bientôt. On va y arriver. Oui. Allez-y. Aussi terrifiante soit la situation, non. Vous devez y retourner. Non, non, on y retourne mercredi. Ah bon? C'est fini? Ah bah. Bah on a dit qu'on dès qu'on revoyait le monsieur, on... Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Eh ouais. Hop là, allez, hop. Oh, mais... Bah, si tu veux, on regarde la cinématique là, mais après, moi, faut que j'aille travailler. Bon, bah, vas-y, on mate la cinématique. Comme ça, ça nous met en haleine pour le... Tu vois? Ouais. C'est le to be continued. Ah. Enfin, ouais. Il se décide à courir. Mais c'était quoi cette monstruosité? J'ai jamais rien vu de pareil. C'était une vision de cauchemar. Vous avez vu cette horreur? Sa bouche béante, son regard mort, sans âme. N'y pensez plus, c'est fini. J'ai failli mourir. S'il m'avait attrapé, il aurait pu... Vous avez eu la peur de votre vie. Et nous aussi. Mais au moins, on s'en est tiré vivant. Ouais, du coup, on arrête ici. Ah, vas-y, fais ton choix. On va faire la connasse. C'est vrai. Plus de peur que de mal. Je crois que maintenant, ça va aller. Cette chose, cette abomination est toujours là. Elle est peut-être même à nos trousses. J'ai vu ces chaînes. Les mêmes que la femme qui a été noyée. Pour moi... Ce n'est pas une coïncidence. L'un de vous sait-il où sont passés Taylor et Daniel? Ils ne doivent pas être bien loin. Oh là là. Ah! Fichons le corps d'ici. J'ai vu un truc derrière. Allez! Voilà. Retour au menu principal. Voulez-vous vraiment Allez, ça court, 7h-9h. La machine. Ah, bon alors, t'en penses quoi? Ah bah, c'est cool, hein. Il va falloir que je prévoie plus de caleçons, je pense, en vrai. Parce que là... Et encore, ça a été encore gentil, hein. Ouais, j'imagine, il n'y a pas eu de truc gore, encore. Ouais, un peu, quand même. Wow. Au début, tout début. En parler et tout. Ah oui, 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 ça, oui. Et bon, c'était attendu. Enfin, plus ou moins. J'avoue que... Ils sont pas à droit, quand même, entre l'autre qui se pend avec son écharpe et l'autre qui glisse de la gouttière. Pff, quelle famille de ah, cons. Non, on est pas aidés. Ouais, ça a l'air sympa, ouais. Ouais, bro, ça a l'air très sympa. Excellente ambiance. Et ben, c'est l'heure, hein. Eh ben, on se dit, du coup, pour mon live, on se dit demain à 19h et pour la matinale avec Kevin, mercredi ouais. À 7h. Bah, moi, pareil. Demain à 19h et... et la matinale mercredi. Oui, c'était cool. Let's ah, go. Bien. Bon, bah, allez, des bisous tout le monde. Bon courage pour ceux qui taffent. Bonne glande pour ceux qui glandent. Tout pareil que ce qu'il dit. Ouh, ouais, voilà. Allez, ciao et bisous. À plus, ça. Crevez, moi.